Ce qui fait l'essence d'un bon film, c'est la création d'un personnage et d'un univers qui ont peu de choses à voir avec le nôtre, permettant ainsi au spectateur de créer un imaginaire qui va le fasciner et l'immerger au cœur de cette histoire. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est obsédé par l'idée même de marginalité en créant des personnages hors de notre société. Danny Boyle est un réalisateur anglais qui officie dans la production audiovisuelle depuis près de 29 ans tout de même. Il est un de ces rares auteurs à avoir gagné la confiance du public assez rapidement pour pouvoir se permettre une grande liberté cinématographique et donner lieu à des portraits, cherchant à poser une idée de base, l'enfermement sociétal d'un individu au cœur d'un engrenage. Boyle est avant tout fasciné par le fait qu'un personnage veuille absolument être en dehors des canons sociétaux de notre monde comme une obligation immersive qu'il devrait au spectateur. Le réalisateur part alors du principe qu'un film doit offrir absolument un portrait où l'extraordinaire n'est que le point de départ d'une histoire qui va petit à petit se rapprocher de notre monde. Dans chacun de ses films, Boyle place des marginaux au cœur d'un monde qui ne les accepte pas, des marginaux qui rejettent ainsi l'idée même de société pour ensuite mieux les confronter à celle-ci. Le but n'est pas de montrer que la société est l'avenir, mais plutôt que c'est en acceptant celle-ci que l'on peut mieux découvrir le vrai but de notre vie, à la fois hors de celle-ci, tout en la comprenant totalement. Ainsi, Danny Boyle construit des portraits de notre monde au travers du regard d'un personnage extraordinaire qui doit admettre son statut pour être accepté par la société. Il est un de ces rares auteurs à partir de l'inverse du postulat de base du cinéma, ne cherchant pas à créer de l'irrationnel, mais ramenant petit à petit celui-ci dans un cocon ordinaire. Si ces films fascinent autant, c'est parce que ce sont de purs produits de pop culture, des œuvres qui parviennent à saisir les tourments et les aboutissements d'une génération confrontée à un monde qui veut les enfermer. Boyle devient alors cette espèce de pont qui relie la société aux marginaux que nous serions désireux de devenir, parvenant au travers de références et de personnages idéaux à créer cette forme d'art que l'on nomme cinéma et qui fait à la fois rêver les consciences et comprendre le monde. Le cinéma de ce réalisateur anglais se nourrit d'une culture. Une culture gorgée par les révolutions culturelles et sociétales, des révolutions qui ont créé les Who et le droit de vote pour les femmes. Boyle tente ainsi par le biais de son cinéma de révolutionner la manière de concevoir un film en créant à la fois des possibilités techniques et narratives alternatives pour le 7e art. Il serait facile d'enfermer Boyle dans une case en le qualifiant de produit d'une génération éduquée à l'innovation et la reconception de l'art comme nécessité d'évolution artistique, mais cela va bien plus loin qu'une simple démarche. Danny Boyle est à la fois un graphiste cinéphilique, un dramaturge moderne, un reconcepteur de la narration, un sociologue filmique, bref, il est ce que le cinéma a certainement créé de plus diabolique et sensationnel en matière de création, un auteur traversant les cultures et les mœurs par un cinéma déroutant et envoûtant. On pourrait s'amuser à chercher les erreurs de parcours de Boyle pour essayer de comprendre ce qui l'a mené à varier autant les tons et les degrés de lecture dans ses films, mais ce serait perdre une vue d'ensemble superbe. Boyle est un marginal au cœur de la production audiovisuelle. Il est un de ces rares auteurs à ne connaître que peu de limites à la création de son art. Même si ses films et sa filmographie manquent de rythme et d'équilibre, celle-ci est menée par une seule idée. Un art doit constamment être en mouvement, ne jamais arrêter sa propre réinvention et surtout, saisir l'instant où le spectateur va devenir le protagoniste d'un film. Boyle est à la fois un pont culturel et une arche d'innovation cinématographique, qui parvient au travers de chaque genre du cinéma à saisir l'être humain dans sa forme la plus iconoclaste et étrange qui soit. Plonger dans la filmo de Danny Boyle, c'est chercher à saisir un instant de cinéma durant lequel spectateur et protagoniste vont se retrouver dans une approche sociétale et psychologique. Passionné par notre regard pervers sur notre prochain, Danny Boyle comprend alors que le cinéma est avant tout basé sur un rapport intime entre le passé d'un spectateur et le présent d'un personnage.